aujourd'hui, je retrouve un vlog. Alors, ce vlog, peut-être, je vais aller au McDonald's. C'est pas moi qui vais au McDonald's. C'est lui. Elle sera bénie. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, je vais faire un petit projet. Comme tous les autres candidats ont dit, on va faire évoluer. C'est un petit projet qui va faire évoluer. Voilà, on va prendre le téléphone, on va écouter des vidéos. On va regarder sur les Instagram. Tous les Instagram, Instagram, et là maintenant, il faut quitter mon blog. Je ne peux pas vous en montrer parce que. Et bisous à bientôt, la voilà le Instagram. Alors, je regarde tout ce que je vois. Alors là c'est moi, go pour aller dodo. Alors il y a Erika, tout ça, mais ça c'est pas moi par contre. Voilà. Alors ça c'est d'autres gens qui font n'importe quoi. Ouais. Alors que c'est Erika encore. Je viens juste regarder ma chérie. Odile. Ouais, plus personne. Alors, on va regarder un peu mon prénom. Alors, je vais écrire mon prénom en haut. Comme ça, on pourra regarder. Oui! Oui. Naomi, ça va? Ça va, McDonald's. Maman, maman, quoi la poutine? Écoutez, j'ai vu deux. Oui, j'ai vu deux candidats. Un qui parlait bien. Relis. Et une candidate qui parlait bien. C'est ça que j'ai dit. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis dans cette prestation? Allez, c'est ça. Hein. Lucie, lui, ça va. En tout cas, vous avez remarqué une chose. Celui qui a parlé le plus de l'outre-mer, et d'ailleurs, le seul candidat qui a parlé de l'outre-mer hier soir, c'était Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aime véritablement les outre-mer, en l'occurrence La Réunion. Il a cité La Réunion à deux reprises. Donc je pense que c'est quelqu'un qui fera beaucoup de bon entrée. Effectivement, à chaque fois, c'est Emmanuel Macron qui a cité l'outre-mer. Il regrette aussi de ne pas avoir pu évoquer l'outre-mer, essentiel enjeu décisif de la réussite de la France. C'est heureux, Marine Le Pen s'est fait devancer. C'est mon pause. Un pause. Mais que donc, je pense que la Réunion, plus on connaissait La Réunion, elle les a emportés et elle les a emportés. Voilà, ma photo. Commençant par rappeler le rapport de force à l'issue du premier tour. Commandez-moi EPS7. Voilà, mettez-moi sur Snap EPS7. Remontre-moi EPS7. Si vous voyez EPS7. Voilà, ça c'était les photos de moi. Bon, ben, c'était devant presque la filmer. Tu vois. Voilà, candidat FN veut un grand ministère de la mer et de l'outre-mer. L'un et l'autre, voilà.
restrictions budgétaires, augmenter vraiment les moyens de leur ambition pour l'outre-mer. Je vous pose la question, Thierry Robert. Le ministère d'outre-mer sera un ministère de plein exercice sur une autre chaîne. Clairement, donc non seulement il y aura un ministère, mais il y aura aussi dans chaque ministère un représentant ultramarin pour défendre les intérêts des ultramarins. Ça pourrait être ça, c'est une question qu'il faut plutôt poser à Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a un moment qui est très important, c'est dimanche. J'aime même pas dire que le matin, mon gars, putain. Parce qu'Emmanuel Macron veut aujourd'hui donner de vraies capacités aux territoires et aux politiques locaux. Donc, partant de là, il veut reconnaître les spécificités. Quelque chose qu'on demande depuis des années. Il parle aussi de l'article 73 pour pouvoir aussi adapter les lois, adapter les règles européennes. Il l'a dit aussi qu'il pèsera de tout son poids pour qu'au niveau européen, nous puissions adapter les règles européennes ici à la Réunion qui ne sont pas forcément totalement en adéquation avec nos attentes et nos besoins et les spécificités. Bon, je crois que je vais présenter un peu de mes fautes. C'est un oui au droit à l'expérimentation demandé par Didier Robert. De toute façon, aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une situation où ceux qui étaient contre l'expérimentation aujourd'hui reviennent sur leur décision. Donc, Emmanuel Macron, cette possibilité d'expérimentation. Monsieur Fabrice Marie, le ministère de la mer et de l'Outre-mer, un ministère aux compétences élargies, va-t-elle réinventer? Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'oubliez pas de mettre des pouces. Que l'économie réunionnaise se développe suffisamment. Comment c'est de travailler autour du domaine maritime pour la simple raison que nous sommes dans le continent, que les matières premières sont très chères et que donc les productions n'hésitez pas à les regarder sur mon Instagram, Elise Percé, sur mon Instagram c'est EPercé7. Sur Facebook c'est Elise Percé. Actuellement, oui, bien sûr. L'outre-mer, à travers les océans, à travers les mers qui entourent la Réunion, eh bien, on crée les plus-values, ça finance évidemment l'économie réunionnaise, mais ça finance aussi l'État. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires et des pouces bleus. Et abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, cette vidéo, ils vont être à l'heure. Je n'aime pas comment les questions. Mais sur les commentaires. On mettrait dans la part d'un Jean-Wilfried. Bonjour. Avec tous ceux que l'on entend sur la politique, voilà, j'espère que et les hommes politiques, est-ce qu'on peut faire confiance au budget chef de l'État? Je laisse. Au revoir. À demain. Peut-être. Est-ce qu'on peut faire encore confiance au chef de l'État, monsieur? J'ai entendu la question. Jean-Wilfried, posez-la.